Drapeau de partis politiques, banderoles arborées, principales artères de la ville prises d'assaut, l'ambiance était de grand jour ce vendredi 23 juin 2023 à Kananga dans le Kasai central. Effervescence dans les rues, effervescence aussi à l'aéroport où la mobilisation était impressionnante pour l'accueil du chef de l'État. Et c'est en fin d'après-midi que le président de la République est arrivé dans le chef-lieu du Kassai Central. Accueilli par le gouverneur de province, Félix Antoine Tshisekedi Chilombo débute ses jours une visite d'inspection des routines après celle effectuée en septembre 2022. Son séjour de 24 heures à Kananga sera aussi l'occasion pour les chefs de l'État d'inspecter les différents travaux lancés dans le Kassai Central, mais aussi se faire une idée très précise de l'état de la province. Une province actuellement ravagée par de nombreuses têtes d'érosion l'urgence s'impose, et à peine arrivé, le numéro un du pays, noyé dans la foule, s'est immédiatement rendu au site érosif SNCC, en plein cœur des Kananga, pour le lancement des travaux de sauvegarde en urgence de ces sites dans le cadre du projet d'urgence et de résilience urbaine des Kananga, Puruc ainsi. Ici, les têtes d'érosion menacent la voie ferrée, mais aussi la route nationale numéro 1. Le gouvernement de la République, qui a obtenu de la Banque mondiale un crédit de 100 millions de dollars, tient à travers le projet PURUC à mettre fin aux têtes d'érosion à Kananga, a fait savoir le ministre d'État, ministre de l'Urbanisme et Habitat. Et de façon succincte, le directeur provincial de l'Office de voirie et Drainage, OVD, a présenté les activités qui seront réalisées dans le cadre de ce projet d'urgence. Ces travaux en soi. Constituera à la construction de collecteurs, la stabilisation des talus, ainsi qu'à la plantation des espèces végétales. Tandis que le projet sur le site PK706, ce sont des travaux neufs auxquels l'entreprise non l'OVD fera face dans le cadre de ce projet. Après le mot, les actes. Le président de la République a officiellement lancé ce projet à travers la pose de la première pierre en présence de nombreuses autorités nationales et provinciales. Ces brefs séjours du chef de l'État à Kananga seraient également marqués dès ce samedi par des rencontres et des échanges avec les autorités provinciales civiles et militaires et les forces vives de la province.